avec un bon centre. Et c'est but ça ! Ljubojevic, il a suffi qu'il retrouve son flanc de prédilection, Thomas Châtel. On ne le voyait pas beaucoup, c'est vrai. Mais là, cette passe et ce centre étaient parfaits pour un Ljubojevic qui le fait tout autant. Voilà. Regardez, bonne ouverture. Il prend son temps, il a juste excellent ballon qui contourne la défense. Et là, Ljubojevic, en pleine course, en pleine extension, c'est superbe. Oula, Ljubojevic, techniquement, c'est magnifique. Rakan, avec de Skakt, oui. Passe de Skakt. Daar is Ljubojevic, hij kan het helemaal afmaken. Dat doet het. En het is 1-3 voor Racing Genk, over en uit. De eerste nederlaag van Anderlecht is een feit. Ze zijn er nog niet helemaal, maar nu toch zo goed als. 1-3 Racing Genk, Ljubojevic uit Kroatië. Nee, ze geloven het niet bij Anderlecht. Daar is Ljubojevic met de kans. Ljubojevic met het schot en met de goal. Fantastisch doelpunt. 1-4 voor Racing Genk. Voor het jaar van Anderlecht hier met 4-1. Nu is het 1-4. Kijk naar Hugo Broos. Ljubojevic kunt het even halen. Oh, la frappe de Ljubojevic, c'est but! C'est exceptionnel! C'est exceptionnel cette frappe! Steinen, oh là là, c'est vrai, Steinen, ça vient de très loin, ouverture du score! 0-1 à Ljubojevic! Quel coup de canon! C'était presque 0-2 d'entrée de jeu dans cette deuxième mi-temps. Il a roulé Clément dans la famille. Bertrand, pas de hors-jeu, évidemment. Goed gereageerd, dan de voorzet is niet kwaad. Ljubojevic en de goal. Het is 0-1 en daarom heeft Hugo Broos Ljubojevic, want zo moeten we het zeggen, hem opgesteld. En kijk naar de reactie ook bij Hugo Broos. 1 of 0-1 moeten we zeggen. 0-1 voor KRC Genk. Prima voorzet was het van Hans Cornelis en uitstekend afgewerkt door de Kroaat. Meter 90 is hij, een wapen in de lucht. Meteen de counter richting Ljubojevic. Pakt hem mee met de eerste van de centre, second poteau, c'est but ça. Ah oui. Un but à deux. Châtel. Magnifique assist et au second poteau Ljubojevic, évidemment. Tous les défenseurs et Luciano ont été surmontés. Je dirais surtout pour Ljubojevic, risque de la trouver en 20 minutes. Excellent ballon aussi, et il est encore présent. 2-1 pour le Germinal Bitschkot. Malgré la montée au jeu de Ljubojevic. Ljubojevic plus rapide que Rando, c'est bien fait. Ljubojevic qui essaye de se recentrer. Est-ce qu'il y a pénalty ou pas? Centre, Ljubojevic et but. Oh là là, le centre de Sutar, c'est la reprise de Ljubojevic. Un second. Le centre au ballon. Il n'y a pas de hors-jeu. Haroun Ljubojevic et non plus. Le deuxième, et voilà. Et je vous disais, le cercle était remonté en une fois, Benoît. Et on fait les
des espaces terribles aux joueurs du Racing qui en ont profité tout de suite. Ah oui, cette infiltration de Haroun hein, d'abord, et cette passe dans l'axe en profondeur, magnifique. Et Ljubojevic, ben voilà, efficace, pas toujours très esthétique. Regardez là, je pense qu'il n'est pas un petit peu en jeu, enfin, je ne pense pas, avant de la passe. Hein. Il faudrait revoir, mais là, un petit peu de chance, il écrase sa frappe, il lobe notre ami Van den Driche, mais encore une fois, Haroun. Et c'est pas encore fini avec Ljubojevic pour un route peut-être, non, si, on lui fait des... Mais c'est pas possible ça. On lui fait des cadeaux, je parlais de casquette. Ça va être 3-0 en 11 minutes, un but en pleine lucarne d'un route, on dit, vous venez de dire qu'il tenait la grande forme, il le couvre encore. Ah, c'est magnifique, encore une fois, on a l'impression que ce joueur, vous savez, les milieux infiltreurs à la Gerhardt, la Haroun, oui, il est souvent là, hein. Très bien joué, Ljubojevic. Vraiment dangereux. Elle est bonne. Et voilà. Écoutez, au moment où on le disait, ces petits ballons qui se baladaient, dangereux. Et bien voilà. Là, ils font mal. Et c'est logique parce qu'il y a vraiment un problème de marquage. On le signale depuis le début. Beaucoup de laxisme. Beaucoup de défenseurs sont de regarder. De temps, second poteau, Ljubojevic, c'est dedans. Ljubojevic, comme la semaine dernière, c'est un but qui ressemble d'ailleurs au but qu'il a marqué la semaine dernière au Germinal. On l'a dit, les phases arrêtées, en tout cas une phase arrêtée qui vient au secours de Genk, ça fait 1-0. Et enfin, Philippe, comment est-il possible de voir Ljubojevic seul sur cette phase? C'est assez incroyable. Joué Ljubojevic, ça c'est bien fait.